Bonjour, bienvenue à Géopole. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet sur l'Europe, les défaillances de l'Europe de Bruxelles. Et pour cela, je reçois Nicolas Bay. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement national, conseiller régional de Normandie. Et donc, je vous reçois en tant que vice-président du groupe Rassemblement national au Parlement européen. Et donc, on va aborder, les sujets sont nombreux sur l'Europe. Bien évidemment, les problèmes concernant le virus, les masques, l'année dernière les masques, cette année le vaccin et j'en passe des meilleurs. On va parler aussi des frontières, des problèmes de sécurité, de terrorisme, d'économie, d'industrie, etc. Enfin, les sujets sont vastes. On va commencer rapidement, tout de suite, par l'actualité. Le scandale des vaccins. Parce qu'après le scandale des masques et les concurrences entre pays européens, voilà que l'on découvre que c'est l'Europe qui s'est chargée d'acheter nos vaccins et puis il n'y a pas de vaccin. Alors, expliquez-nous. En réalité, cette crise, puisqu'il s'agit d'une crise des vaccins et pas seulement une crise sanitaire, eh bien, elle est la dernière étape depuis un an après des défaillances successives des institutions européennes. On nous avait dit depuis des années, en cas de crise majeure, l'Union européenne, l'échelon européen, est le bon échelon d'efficacité et de réponse. On a eu la crise financière en 2008, l'Union européenne a été totalement absente. On a eu la crise migratoire en 2015, l'Union européenne a été totalement défaillante. On a aujourd'hui, enfin depuis un an, une crise sanitaire majeure, l'Union européenne a été absente dans l'anticipation, dans la préparation, alors même qu'il y avait des structures comme le CDC qui avait été préparé, qui est une agence européenne, qui est justement là pour surveiller, anticiper les épidémies et la réponse que les politiques et les nations doivent apporter. L'Union européenne n'était pas au rendez-vous. Ensuite, absente dans la coordination, pour l'achat des masques, pour les tests, etc. Alors, pardon de vous couper, pour l'achat des masques, mais il y a eu même des conflits entre les pays européens sur les masques. Rappelons-nous qu'il y a eu des vols de masques. Enfin, les uns accusaient les autres d'avoir volé leurs masques qui devaient. Oui, même entre les régions françaises. Quand les régions se sont mises à acheter des masques, il y avait la région Île-de-France qui en piquait, la région PACA, etc. Tout ça a donné un spectacle assez pitoyable. Mais en effet, chaque nation, une fois en crise sanitaire, chaque nation a défendu ses intérêts, tant bien que mal. Et il y a eu quelques coordinations, mais qui ne doivent rien à Bruxelles et qui sont des coopérations en réalité interétatiques. Et puis même le modèle d'une Union européenne qui expliquait qu'elle était capable de s'organiser par elle-même s'est effondré, puisqu'on a fait, on a multiplié depuis maintenant 6 ans les sanctions financières, économiques contre la Russie, moyennant quoi on a été obligé d'avoir des avions gros porteurs russes qui faisaient un pont aérien entre la Chine et la France pour nous apporter des masques, parce que des simples morceaux de tissu, on n'était plus capable de les fabriquer. Donc là aussi, on a vu les lacunes absolument majeure. Et puis dans les vaccins, on en a une nouvelle démonstration. L'Union européenne nous dit, ok, on n'a pas été bon au début, mais parce qu'on n'avait pas vu le virus arriver, mais on va se rattraper sur les vaccins. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Commande groupée de l'Union européenne qui dit, on va être plus efficace pour négocier avec les labos les achats de vaccins à l'échelle continentale. Donc, il y a des pays imprudents comme la France qui disent, très bien, on participe à la commande groupée, on ne fait rien par nous-mêmes. Il y a des pays un peu plus habiles, un peu plus prévoyants. Lesquels, par exemple? Alors, le Royaume-Uni, eux, ils ont eu la chance de sortir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils sont sortis formellement au 31 décembre. Donc, en réalité, les commandes de vaccins, elles ont eu lieu avant le 31 décembre. Oui, mais comme ils allaient sortir, ils ont prévu. Voilà, et donc, ils ont eu la chance d'être sortis du carcan européen. Ils ont aussi, évidemment, une situation plus favorable que la nôtre, puisqu'ils produisent eux-mêmes l'AstraZeneca, qui est leur propre vaccin, alors que la France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir son propre vaccin. Ni l'Institut Pasteur, ni Sanofi n'ont été capables d'en produire un, ce qui montre aussi le déclassement de la France. Mais résultat, le Royaume-Uni, aujourd'hui, ils sont à 30 millions de vaccinés, quand nous, on est à pratiquement la moitié de la population. Voilà. Alors, que nous, on est à 3 millions. – Il y a une chose, c'est qu'on nous avait dit, pendant, comme tout le monde le sait, vous-même, les Français, depuis des années, on nous dit, mais le Brexit, le Royaume-Uni va être totalement isolé, son économie sera ruinée, les grandes sociétés sont en train de déménager en Europe, la City cherche à déménager entre ou Francfort ou Paris, etc. etc. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que la livre anglaise est au plus fort,
Elle est à 1,16 à peu près. Donc, depuis le Brexit, elle ne fait qu'augmenter. La monnaie britannique donc, se porte très bien. Le vaccin, ils l'ont acheté, ils l'ont payé et ça marche très bien. Et nous, notre monnaie, on est en train de se surendetter. Nous n'avons pas de vaccin, etc. Alors, quid du Brexit ? Alors, je ne sais pas. Parce qu'on continue, hein, on continue à nous dire que non, sans l'Union européenne, nous n'aurions pas pu acheter de vaccin. Bah, c'est évidemment un mensonge. Un pays comme la Hongrie, qui n'a pas la puissance économique, ni politique, ni diplomatique qu'a la France, eh bien, il a eu la prudence d'acheter des vaccins russes et des vaccins chinois, qui sont d'ailleurs aussi fiables. Israël a été capable de vacciner la quasi-totalité de sa population à l'heure où nous parlons, ce qui est en fait le premier pays en termes de vaccination au monde. Donc on voit bien que la France, elle, avec 4 millions de vaccinés, comme d'ailleurs l'Espagne ou l'Italie, sont les pays qui se sont mis dans le carcan de l'Union européenne. Opacité dans les contrats, on ne sait pas qui sont les négociateurs. Nous, les députés européens, on n'a pas accès aux documents complets. Voilà, on a des documents qui sont très important ce que vous dites. Parce que, juste parenthèse, juste sur Israël, parce que l'argument classique, c'est de dire que c'est un petit pays. C'est pour ça qu'il a pu vacciner. Alors comparons-nous au Royaume-Uni, qui est à peu près l'équivalent de la France. Mais c'est très important ce que vous venez de dire sur l'opacité. Parce que, alors, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des commissions occultes ? Est-ce que vous pensez qu'on a privilégié les uns contre les autres ? Pourquoi l'opacité ? Ça, c'est une vraie question. Moi, je me garderais de porter des accusations à la légère. Mais ce qui est certain, c'est que les technocrates à Bruxelles ont voulu, dans la discrétion la plus totale et même la confidentialité la plus totale, mais avec l'argent du contribuable de tous les pays d'Europe, négocier avec les géants pharmaceutiques, moyennant quoi on ne sait pas exactement le prix des vaccins, on ne sait pas qui étaient les négociateurs, on ne connaît pas les délais de livraison. Il s'était engagé, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'était engagée sur un certain nombre de dates d'échéance de livraison pour les pays européens. Elles ne sont pas respectées. Elles ne sont pas respectées notamment parce que l'AstraZeneca est livré prioritairement aux Britanniques avant l'Union européenne, ce qui évidemment n'est pas étonnant puisque le vaccin lui-même est britannique. Donc on voit bien qu'on est affaibli parce qu'on n'est pas capable de produire nos vaccins. Et on est affaibli parce que cette négociation groupée à l'échelle européenne, eh bien, nous place en situation de vulnérabilité. L'Allemagne, par exemple, a participé aux commandes groupées européennes, mais en parallèle, a procédé à ses propres commandes. D'accord. Elle a eu aussi cette présence. Donc, en fait, on voit qu'il y a quelques pays qui s'en tirent plutôt mieux. C'est ceux, justement, qui sont sortis du carcan européen. Vous parliez de la question du Brexit. C'est un point très important. Il y a 4 ans, plus de 4 ans, 4 ans et demi, oui. Les Britanniques ont fait le choix démocratique par référendum, à la majorité absolue, de sortir de l'Union européenne. Bon. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Au début, ils ont tout fait dans les institutions européennes pour essayer de passer les plats. Ça, c'est l'habitude qu'ils ont. Refaire voter. Voilà, exactement. Vous voulez refaire voter. Exactement comme pour le traité constitutionnel. Les Français disent non par référendum. On repasse 3 ans après par voie parlementaire le traité de Lisbonne, qui était à peu près le même texte. Bon. Et là, ils voulaient faire pareil. Et puis, la victoire de Boris Johnson aux élections législatives a fait échouer ce plan. Et donc, ils ont été obligés d'accepter la négociation vers une sortie, ce qui était prévu et ce que les électeurs avaient demandé. Et là, c'est intéressant parce que les Britanniques, qu'est-ce qu'ils voulaient avec le Brexit ? Ils avaient été prudents sur l'Union européenne depuis le début, ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen. Et là, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est garder l'accès total au marché européen sans en avoir aucun des inconvénients. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont obtenu. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, au lieu d'accepter l'idée de la concurrence économique, commerciale, eh bien, elle est tellement imprégnée par l'idéologie du libre-échange, qu'elle pratique d'ailleurs avec le monde entier, avec des accords de libre-échange avec le monde entier, qu'elle elle l'a parfusé aux Britanniques. Du coup, les Britanniques ont accès libre, sans quota, sans droit de douane, sans contingentement au marché européen, mais ils ne sont plus contraints par la réglementation hyper tatillonne de l'Union européenne, et ils ne sont plus contraints non plus par les règles du droit européen et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc finalement, ils ont l'essentiel des avantages sans aucun des inconvénients. – Mais l'Union européenne a beaucoup menacé le Royaume-Uni sur les droits de douane, etc. Mais enfin, il faut rappeler peut-être que nous sommes excédentaires, nous sommes exportateurs vers le Royaume-Uni. En fait, ça arrange aussi les Européens. Ils étaient en train de menacer, mais c'était eux les perdants. Parce que dans cette guerre douanière et économique, c'est l'Europe qui est perdante en réalité. Parce que c'est l'Europe qui exporte plus qu'elle n'importe du Royaume-Uni. –
Absolument. On nous avait dit au début, attention, les Britanniques vont souffrir. Et d'ailleurs, c'était un peu un des objectifs. Oui. Les technocrates à Bruxelles disaient, il faut les punir pour éviter le phénomène de contagion. Pour éviter qu'il y ait d'autres pays européens qui aient envie de faire pareil. Bon. Donc ils ont dit, ça va très mal se passer pour les Britanniques. Moyennant quoi, ça se passe pas très mal. D'autant plus qu'ils ont quand même oublié une chose, c'est que c'est vrai que le Royaume-Uni vend en Europe, mais l'inverse est vrai également, comme vous le dites. Et surtout, le Royaume-Uni, il n'est pas dans un tête-à-tête exclusif avec l'Union européenne. Tout le Commonwealth, Oui, et puis ils ont négocié déjà, je crois, 57 accords commerciaux avec tous les pays du monde, oui. L'essentiel des pays qui ont des accords économiques avec l'Europe, pour avoir leurs propres accords commerciaux, qui défendent leurs intérêts. Et c'est toujours plus facile de défendre ses intérêts pour un pays que de parvenir dans un texte à défendre les intérêts de 27 pays. Oui, avant, on donnait souvent l'exemple de la Suisse. Parce qu'on nous disait, on peut pas, on est un petit pays, alors que la Suisse est encore un pays plus petit que la France. Maintenant, il y a le Royaume-Uni, puis il y a d'autres pays en Scandinavie. Mais enfin, on nous dit que c'est des petits pays, ça n'a rien à voir. Enfin, revenons sur la Commission européenne et toutes ces défaillances, parce que ça fait beaucoup hein, quand même. Les masques, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, après le masque, les tests, maintenant il y a les vaccins, c'est encore plus dramatique. Mais on continue à nous dire, effectivement, ils avouent maintenant qu'il y a eu des bugs, ça n'a pas marché très bien, etc. Mais nous dit-on, de toute façon, on n'aurait pas pu faire sans eux. Ce qui est faux. Et c'est ce qui nous coûte très cher. Parce que l'étape d'après, après les vaccins, c'est le plan de relance. Le fameux plan de relance. Oui. Pardon de vous couper, mais parce que justement, j'allais parler des finances. Parce que, une petite parenthèse, je vous laisse répondre sur les finances, parce que, sur le plan de relance, parce que le fait d'avoir. Je ne comprends pas, et les Français non plus, je pense, pourquoi on négocie le prix des vaccins alors que tous les retards nous coûtent 10 fois plus cher en aide, etc. Donc, pas seulement nous, la France, mais l'Europe. Pourquoi l'Europe de Bruxelles, vous êtes parlementaire européen, vous voyez un peu le fonctionnement, pourquoi ils ont négocié ces prix? Parce qu'on nous dit que les retards sont dus au prix négocié. Pourquoi ont-ils négocié ces prix à la baisse? Sachant que ça va provoquer des retards, et ces retards nous coûtent 10 fois plus qu'un vaccin cher, puisque la Banque centrale fait tourner la planche à billets, même si elle est virtuelle, et tout ça crée des problèmes de dette catastrophiques. Pouvez-vous nous expliquer quelle est leur logique Je me garderai de sonder les reins et les cœurs, et c'est souvent difficile. Comment de ils vous répondent? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous souvent, ils ne répondent pas. C'est confortable d'ailleurs. Parce que vous êtes député européen. Quand les parlementaires posent des questions à la Commission européenne, voilà, souvent, vous les interpellez régulièrement. Elle répond en langue de bois, elle répond à côté, enfin, elle fait tout pour échapper aux vraies questions. Mais en effet, quand on est dans une situation de pénurie, et c'est le cas, puisque la production mondiale de vaccins est très insuffisante par rapport à la demande, bon, on est en situation de pénurie. Il est évident que celui qui paye cher. Obtient et plus que celui qui paye moins. Évidemment. Donc quand l'Union européenne dit « Regardez, on a été géniaux parce qu'on a négocié à l'échelle continentale et on a serré les prix au maximum », le résultat, c'est qu'on est les derniers servis. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On n'a rien économisé parce qu'on paye des... Quand le virus continue, on paye des milliards de dédommagements. Le retard va nous coûter infiniment plus cher évidemment. Que une éventuelle hausse du prix du vaccin qui nous aurait peut-être garanti d'avoir des livraisons en temps et en heure. Mais on voit surtout qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de vaccins qui sont produits partout dans le monde et qu'on s'est aussi enfermé dans le seul marché du vaccin européen et américain, alors qu'il y a d'autres vaccins qui sont produits en très grande quantité et qui auront une disponibilité souvent plus rapide. C'est le cas du vaccin Sputnik V. Oui, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un frein à ce vaccin pour des raisons politiques? Parce qu'ils en sont capables. Mais il faut se souvenir, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre quand Vladimir Poutine a annoncé que la Russie était la première puissance à avoir un vaccin? Ce qui était d'ailleurs factuellement parfaitement exact, validé par l'autorité russe du médicament. Mais ça a été un peu moqué de lui, une pluie, exactement, une pluie de mépris et de sarcasme de la part de l'Union européenne. Donc, ouais, votre vaccin russe, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et on en a contesté à la fois la fiabilité et la sécurité. Bon. Depuis,
C'est tempéré. Depuis, tout le monde reconnaît que ce vaccin vaut largement les autres. Mmh. Et d'ailleurs, il est sur le point d'être validé par les autorités européennes du médicament. Oui, mais on a l'impression que ça traîne un peu. Et je vous demande si ce n'est pas pour des raisons politiques. Bien sûr. Il y a, à mon avis, deux raisons politiques au fait que ça traîne. D'une part, parce qu'on veut pas malmener et mettre en concurrence trop vite les géants pharmaceutiques européens et américains. Ça, c'est la première raison. Et c'est la grande préoccupation des institutions européennes bien avant de pouvoir augmenter le nombre de vaccinés en Europe. Mmh. Et puis la deuxième raison, elle est en effet extrêmement politique, c'est que ça fait 6 ans qu'on fait des sanctions économiques contre la Russie. On en a subi les conséquences lourdement, la France notamment, puisque la réponse de la Russie, ça a été l'embargo sur un certain nombre de nos produits agricoles. Bon, et évidemment, c'est très gênant de devoir aller quémander à la Russie aujourd'hui des vaccins. Et Josep Borrell, qui est le haut représentant, qui est le ministre des Affaires étrangères en quelque sorte de l'Union européenne, il est allé à Moscou. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Sergueï Lavrov, son homologue russe? Eh bien, il a dit, je veux deux choses. Je veux que vous libériez Navalny, ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec le sujet. Oui. Et je veux, par ailleurs, avoir accès à votre vaccin. Et évidemment, Lavrov lui dit, ah bon, et qu'est-ce que vous me proposez en contrepartie? En contrepartie, rien du tout. Bon, bah, on ne lève pas les sanctions. Voilà. Mais on demande et on ne donne rien. Et donc, Borrell est une drôle façon de négocier. Demandant des choses et n'ayant rien à proposer, il est parti avec un coup de pied au derrière, dans le reprendre son avion et rentrer à Bruxelles. Voilà. Mais tout ça est pitoyable. Et tout ça humilie les institutions européennes, ce qui n'est pas un drame, mais plus gravement, ça humilie les nations européennes et les peuples européens. Alors qu'évidemment, on aurait intérêt à un vrai partenariat avec la Russie, on aurait intérêt à sortir de ce schéma des sanctions économiques qui n'a absolument aucun sens et qui d'ailleurs, à bien des égards, pousse la Russie dans les bras de la Chine, ce qui va à l'inverse de tous nos intérêts économiques. Mais alors, vous avez donné l'exemple de la Hongrie il y a quelques minutes. Alors la Hongrie fait partie de l'Union européenne, mais ça ne l'a pas empêché de commander des vaccins russes, le vaccin Sputnik. Donc finalement, on peut, nous la France, passer parallèlement à l'Union européenne et commander, peut-être ne peut-on pas négocier nous-mêmes avec les Russes sans passer par le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, entre guillemets. Mais bien sûr, on pourrait parfaitement le faire. Et là encore, ça n'est qu'une question de volonté politique. La santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Autant en matière commerciale, par exemple, il y a une compétence exclusive de l'Union européenne, un pays ne peut pas, et c'est d'ailleurs une de nos grandes difficultés, un pays ne peut pas aujourd'hui négocier ses propres accords commerciaux. Oui. Voilà, parce qu'on est en union douanière et en marché commun. Mais en revanche, en matière de santé, les pays sont libres. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire chaque fois qu'on les accuse. En réalité, chaque fois qu'ils se plantent sur ce sujet du virus, ils nous disent, de toute façon, ce n'est pas une compétence européenne. Donc pour se défendre, ils brandissent le fait que ça ne soit pas une compétence européenne. Donc, vous confirmez que chaque pays, enfin, il y en a qui le font, vous avez cité l'Allemagne, la Hongrie, bien sûr, mais la France, pour le moment, rien. Ben exactement, et c'est-à-dire qu'on voit en fait que le poids de l'idéologie, c'est-à-dire que l'idée de sortir du carcan bruxellois, même si c'est techniquement possible et même si ce serait bénéfique pour les Français et pour l'approvisionnement des vaccins, c'est une idée qui est impensable pour Macron et son gouvernement parce que ça reviendrait à remettre en cause l'Union européenne sous sa forme actuelle. Or, l'Union européenne sous sa forme actuelle, elle est défaillante. Il faut donc tout changer, à la fois le fonctionnement, très bureaucratique, avec des pouvoirs colossaux accaparés par la Commission européenne. – Ça fait 40 ans qu'on entend ça. – Oui, c'est vrai, mais c'est de plus en plus vrai, parce que l'intégration européenne a avancé, qu'aujourd'hui on a même dépassé la phase du débat, il est même plus entre l'Europe des nations que nous défendons et le fédéralisme européen. Aujourd'hui, ils sont au-delà du fédéralisme, puisqu'ils veulent en réalité un État centralisé européen. Ils veulent que les pays européens, la Hongrie ou la Pologne en font les frais d'ailleurs, et des pouvoirs inférieurs à ceux des États américains, par exemple. Oui. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Les États ont beaucoup de pouvoirs, ont des compétences importantes, y compris en matière législative. Oui. Aujourd'hui, on voit que toutes les politiques qui sont menées dans les États membres, y compris la politique familiale, y compris l'organisation de la justice, etc., est scrutée attentivement à Bruxelles, et on cherche des poux dans la tête à tous les pays qui ne vont pas dans le sens de la doxa dominante, c'est-à-dire du mondialisme, du progressisme, etc. Et donc, aujourd'hui, on est en réalité
dans un État de plus en plus centralisé, et l'étape d'après qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est la fin de l'unanimité des décisions au Conseil. L'unanimité au Conseil, ça permet finalement de respecter un tant soit peu la souveraineté des nations. Ils veulent remettre ce système en cause, ce qui permettrait d'imposer par les 40 000 fonctionnaires à Bruxelles dans leur bureau gris des décisions contre, contre l'avis des peuples. Alors, c'est vrai et que même fait, des gouvernements légitimes. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est bureaucratique, etc., mais ça atteint, mais disons que jamais il y a eu une démonstration aussi flagrante de ce dont on les accuse depuis 40 ans. C'est ça, je vous l'accorde. C'est vrai que là, depuis un an, ça ne fait plus aucun doute. C'est-à-dire qu'ils le reconnaissent eux-mêmes tout en essayant de justifier. Alors, vous parliez de la relance économique. Alors, depuis un an pratiquement, on distribue de l'argent à tout va. Des milliards et des milliards. Alors certains parlent d'un effacement de la dette. Alors bon, moi personnellement, je trouve ça totalement farfelu. Il n'y a que Mélenchon pour penser des choses, évoquer des choses pareilles. D'ailleurs, c'est très franco-français, parce que dans d'autres pays européens, on n'en parle même pas. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi on ne peut pas effacer des dettes. Mais au-delà de ça, comment peut-on, comment l'Europe, comment les fonctionnaires européens et vous, comment en tant que député européen, votre groupe, comment vous réagissez à ça, voient la reconstruction et surtout le moyen de régler toutes ces dettes qui sont, parce que en fait aujourd'hui on fait toutes ces dettes, on fabrique de la monnaie en réalité, mais ça risque de créer une inflation. Personne n'est capable de dire si ça va faire une grosse inflation ou pas, mais quelles sont les solutions déjà discutées? Il y a plusieurs choses. Alors d'abord, cette dette contractée à l'échelle européenne de 750 milliards, c'est la première fois qu'on a une dette qui est mutualisée. C'est-à-dire la dette, elle est contractée par la Commission européenne sur les marchés financiers. On nous explique que c'est une dette à taux nul, donc elle coûte rien, c'est faux. En réalité, elle va coûter aux générations à venir qui devront la rembourser. Rien aujourd'hui. Voilà, mais les taux peuvent augmenter. Bien sûr. Enfin, déjà. La négociation s'est faite, en l'occurrence, à taux nul. Il faut expliquer aux téléspectateurs, quand on dit, parce que souvent on utilise ce terme, une dette mutualisée, mais tout le monde ne comprend pas forcément. Alors, exactement. C'est assez simple. La Commission européenne a contracté la dette de 750 milliards. Elle distribue ensuite l'argent aux différents pays européens. Et ensuite, la dette devra être collectivement remboursée. Donc, on peut payer pour d'autres. Ah oui, certains paieront pour d'autres. Et on devine lesquels. C'est une certitude. Et je vais y venir. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a derrière tout ça la volonté de faire avancer un agenda fédéraliste, un agenda d'intégration européenne, aller toujours plus loin, toujours plus vite, avec deux choses, la dette et ce qu'ils appellent les ressources propres, c'est-à-dire la fiscalité européenne. Ils disent, finalement, la Commission européenne nous dit, non, ça ne va pas coûter si cher que ça aux États, parce qu'on va mettre en place une fiscalité européenne, une taxe carbone, une taxe plastique, une taxe GAFA. Donc il y aura des augmentations d'impôts. On sait que tout ça est hypothétique. Voilà, en réalité, on va ajouter des échelons fiscaux dans le millefeuille fiscal. On va installer l'idée d'un impôt européen ou de taxe. Alors même si une taxe carbone, sur le principe, on n'est pas tout à fait contre, parce que ça reviendrait à rétablir en quelque sorte des droits de douane déguisés. Oui. Donc l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Tout dépend comment ensuite l'argent que ça produit est utilisé. S'il vient par exemple en déduction de la contribution des États qui sont contributeurs nets, comme c'est le cas de la France, il y a 9 pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils versent plus qu'ils ne reçoivent. La France, elle verse entre 22 et 24 milliards d'euros par an et elle récupère à peu près 13 milliards. Donc on a une ardoise nette chaque année de 9 milliards. Voilà. D'accord. Et il y a 9 en pays fait, c'est européens les pays riches qui payent qui pour sont les dans ce pays cas-là. Pauvres. Voilà, exactement. Et donc cette dette, en réalité, il faudra la rembourser. Ce sont évidemment les principaux contributeurs au budget européen qui rembourseront. Et puis ces taxes, la taxe GAFAM, par exemple, ça cible évidemment les géants numériques américains. Mais enfin, on sait très bien que ce sera compliqué de la mettre en œuvre pour une raison simple. C'est que si l'Union européenne dit aux États-Unis, voilà, on met en œuvre la taxe GAFAM, les États-Unis vont dire à Mme Merkel, mais vos voitures allemandes qui arrivent avec des droits de douane à 2%, ça va passer à 10%, parce que les voitures américaines, quand elles arrivent sur le marché européen, elles sont taxées à 10%. Oui. Donc on voit bien que la compétition et la guerre commerciale, eh bien, ça fonctionnera dans les deux sens, donc on ne pourra pas le faire à sens unique. Bon. La dette contractée de 750 milliards, la France va toucher 39 milliards. Mais ça va nous coûter le remboursement de la dette et le surcroît de participation au budget annuel de l'Union européenne, ça va nous coûter au minimum 70 milliards, c'est-à-dire quasiment le double. Alors c'est vrai qu'il y a des pays comme l'Italie, comme la Grèce, qui eux vont sans doute recevoir plus qu'ils ne paieront.
mais c'est au détriment, là encore, de nos intérêts à nous. Mmh. Et contrairement aux pays du Nord, qui sont dans une situation analogue à la nôtre, bah, eux, ils ont eu l'habileté de négocier des rabais dans leur contribution au budget européen pour les 7 prochaines années, ce que Macron n'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé au Conseil européen au mois de juillet dernier en disant on va négocier le plan de relance, mais il faut de toute façon qu'il y ait un accord dans 48 heures. Ah bah oui. Celui qui arrive dans une négociation en disant je veux qu'il y ait un accord à tout prix, tous les autres savent que lui, on va pouvoir lui tordre le bras jusqu'au bout. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en réalité, les pays du Nord ont obtenu des rabais, les pays du Sud vont toucher le gros des subventions européennes, et la France, elle va toucher peu des subventions européennes, elle payera au prix fort au budget, elle payera au prix fort le remboursement de la dette. Alors on nous explique tout de même depuis un an que si on n'avait pas la Banque Centrale Européenne, donc grâce à laquelle, encore une fois, d'après ce que l'on nous dit, on emprunte à taux zéro et on arrive à faire des aides aux entreprises, etc., on serait totalement en faillite. On n'aurait pas pu emprunter, bon, je ne vais pas reprendre l'exemple du Royaume-Uni qui n'est pas dans l'euro depuis, il n'a jamais été, mais comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez vraiment que l'euro a pu sauver notre situation économique, quand je dis l'euro, c'est la Banque Centrale Européenne, au-delà des dettes. Qu'il y a certains pays qui, sans doute, dans le cas précis, notamment pour contracter des nouvelles dettes, sont plutôt bénéficiaires du système de l'euro. Est-ce que la France, depuis la mise en œuvre de l'euro, c'est-à-dire il y a 20 ans, en est bénéficiaire ? C'est beaucoup plus contestable, puisqu'on voit bien que il y a 19 pays qui sont dans la zone euro. L'essentiel de la politique de la BCE, ça a consisté en réalité à lutter contre l'inflation uniquement, en maintenant une politique de l'euro fort. Cette politique de l'euro fort, elle sert les intérêts de l'Allemagne, elle sert les intérêts des anciens pays de la zone marque, au détriment de la plupart des 19 autres, dont la France. Nous, on aurait intérêt à avoir une monnaie moins forte, ce qui permettrait de booster, de relancer nos exportations. Donc, on a une balance commerciale qui est assez lourdement déficitaire, contrairement à l'Allemagne, donc on aurait intérêt à avoir cet euro moins fort. Alors, pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça la question, au-delà du constat. Parce que le constat, je pense qu'on peut le faire aujourd'hui, la gouvernance actuelle de l'euro ne sert pas nos intérêts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait sans doute s'inspirer de ce qui est fait ailleurs. Je pense notamment aux États-Unis. La Fed, elle a peut-être un niveau d'indépendance moindre, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, que la BCE. Et dans le mandat de la Fed, il n'y a pas seulement la lutte contre l'inflation, il y a aussi la lutte contre le chômage. Et donc ça pousse à avoir une politique assez différente. Donc la question qui est derrière, c'est la question de la gouvernance de la zone euro, en réalité. On peut considérer, pour résumer, que l'euro, on en a eu les inconvénients assez lourdement. Il serait temps qu'on en ait enfin les avantages. Une monnaie internationale capable de concurrencer le dollar sur la scène mondiale et une monnaie qui serve nos économies, alors qu'actuellement, ça sert les économies de quelques-uns au détriment de la plupart des autres. – Très bien. On va marquer une pause et on va reprendre en abordant le sujet des frontières et de la sécurité à tout à l'heure. Donc une petite pause et on reprend. Voilà donc dans cette deuxième partie de l'émission, donc après les défaillances de l'Europe sur les masques, les vaccins, on a traité des problèmes économiques, on va peut-être parler des frontières un peu, parce que là aussi l'Europe a été, à mes yeux, défaillante, vous allez me dire ce que vous en pensez. Depuis un an, un peu plus d'un an même, dès le début, il n'y a pas que le président Macron, mais même l'Europe entière a refusé de fermer ses frontières pour protéger ses populations de ce virus. Bon, les choses ont évolué, mais très tardivement. Donc vous-même, je pense, il me semble, vous allez me le confirmer peut-être, vous aviez réclamé dès le début, vous-même, Nicolas Bay, et aussi votre mouvement, le Rassemblement National, vous étiez les premiers à demander la fermeture immédiate des frontières, dès mars 2020. Donc, pourquoi ce blocage ? Alors, je sais bien qu'on dit les frontières, le non-frontiérisme, c'est une religion pour les Européens, mais enfin, là, on était face à un virus dangereux. Alors, je veux bien, les premières semaines, ils n'en étaient pas conscients, admettons. Mais enfin, les mois passés, et on continue à dire, le virus n'a pas de passeport. Comment vous avez vécu ça ? C'est très intéressant. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la négociation du Brexit, c'est exactement la même chose.
la libre circulation des capitaux et des biens étant du domaine de la religion pour les institutions européennes, eh bien, ils ont immédiatement cédé aux exigences du Royaume-Uni dans la négociation. Eh bien, pour les frontières, c'est exactement la même chose. La libre circulation des personnes, c'est un grand dogme de l'Union européenne. Et l'idée qu'il faille la remettre en cause, même de manière temporaire et pour des motifs sanitaires, déjà, c'est trop pour eux. Alors, on s'est retrouvé dans une situation d'aberration totale, c'est-à-dire que les Français, et aussi beaucoup d'autres citoyens partout en Europe, ne pouvaient plus circuler pour aller dans la région voisine ou dans le département voisin. D'une ville à l'autre. Ils pouvaient même plus sortir à plus d'un kilomètre de chez eux. Mais par contre, on a laissé les frontières grandes ouvertes. J'en ai moi-même fait l'expérience, ça fait sourire. J'ai été amené à me déplacer vers le Parlement européen depuis la Normandie en plein pendant le confinement du mois de mars et du mois d'avril, parce que l'activité parlementaire se poursuivait notamment pour voter les différentes... les aides financières et économiques au secteur en difficulté, eh bien, pour sortir à un kilomètre, on était contrôlé, mais en revanche, sur un trajet de 460 km pour me rendre à Bruxelles en voiture, eh bien, j'ai franchi la frontière franco-belge à 130 km à l'heure sur l'autoroute, aucun contrôle. Voilà. Ça montre bien qu'il y a, de manière très dogmatique, alors que, évidemment, la circulation du virus se faisait notamment entre les pays, notamment les pays les plus touchés, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. – Mais on n'a même pas La première mesure à prendre, c'était de contrôler les frontières. – Pardon, mais on n'a même pas fermé les frontières extra-européennes. C'est-à-dire qu'il y a des avions qui venaient d'Asie et on continue à voyager. – Pendant des semaines et des semaines, on avait des avions qui continuaient à venir de Chine. Ensuite, ils ont fermé en partie les frontières Schengen, c'est-à-dire les frontières extérieures de l'Union européenne. Mais pas hermétiquement, vous savez bien, j'ai voyagé bien moi-même sûr. En dehors de l'Union européenne bien et sûr. On m'a laissé passer. Bien sûr, en réalité, le poids de l'idéologie est tel que la remise en cause de la libre circulation des personnes leur est absolument insupportable, alors que pourtant c'était une mesure immédiate de bon sens qui avait son efficacité, qui n'était pas la solution miracle, tout le monde l'a bien compris, mais c'était un des moyens d'éviter notamment que nous soyons touchés de plein fouet, alors que l'Italie était l'un des pays les plus touchés au monde. Je vous citais la Belgique. La Belgique est le pays qui a eu le plus grand nombre de morts par habitant au monde. Oui. Bon, donc la mesure de bon sens aurait été évidemment de restreindre la circulation entre la France et la Belgique. Il y avait cette histoire de match de football, vous vous souvenez? Moi, je me souviens de votre intervention aussi, je me souviens de vous. Je rappelle aux Français, juste, il y avait un match de football entre la France et l'Italie, une semaine peut-être avant ou après le premier confinement. Ils se tenaient à Lyon. Voilà. Et donc, ils avaient refusé de l'annuler. Et les supporters italiens, on les a laissés venir, alors que l'Italie était le premier pays très touché. Il y avait déjà des villes. Vous aviez réclamé l'annulation et la fermeture de la frontière avec l'Italie. Et on vous a répondu avec un mépris total. Le virus n'a pas de passeport. Sauf que les gens qui possèdent un passeport peuvent le porter. – Oui, et on voit l'incohérence absolue, puisqu'on a laissé 5000 supporters italiens de la Juventus de Turin se rendre à Lyon pour ce match, alors que ça fait un an qu'on interdit aux Français de se rendre dans les stades, même en respectant les règles sanitaires et les protocoles. Donc on voit bien que tout ça a été d'abord animé par une démarche idéologique, et c'est le fond du problème. Au-delà de la crise sanitaire, c'est le fond du problème auquel nous sommes confrontés s'agissant des frontières européennes. Ils ont procédé avec les frontières exactement comme en matière commerciale. Ils ont dit, on fait un marché commun, donc on abaisse les barrières douanières à l'intérieur de l'Union européenne, mais en contrepartie, on en mettra à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abaissé à l'intérieur, mais ils ont ensuite supprimé progressivement à l'extérieur. Et donc, on a tué notre industrie avec des accords commerciaux de libre-échange ou de quasi-libre-échange avec le monde entier, notamment le monde asiatique. Et aujourd'hui, ils veulent faire la même chose, d'ailleurs, en tuant notre agriculture avec des accords de libre-échange avec les pays du Mercosur, c'est-à-dire le marché sud-américain, ce qui, évidemment, portera un coup terrible à beaucoup de nos filières agricoles. Bon. Eh bien, en matière de frontières terrestres, physique, eh bien, ils ont procédé exactement de la même manière. C'était les accords de Schengen à la fin des années 90. Ils vont dire, on va mettre en place les frontières extérieures, ce qui permettra la libre circulation à l'intérieur. Voyez donc quoi, ils se sont jamais donné les moyens de protéger les frontières extérieures, qui sont de véritables passoires. Et on voit qu'au gré des conflits ou même pour bien d'autres raisons qui touchent les pays africains en particulier, eh bien, on a des flux migratoires qui sont ininterrompus. Mais même cet été, donc le virus avait baissé un peu, certes, mais enfin bon. Il y a eu une reprise à la rentrée, mais nous apprenons que l'été,
quantité de navires venaient du Maghreb avec beaucoup de populations qui n'étaient pas testées, ce qui a provoqué très certainement une relance du virus à Marseille et en tout cas dans les Bouches-du-Rhône et dans toute la région PACA. Alors, tous ces gens qui venaient par bateau, donc c'est extra-européen, n'étaient pas contrôlés, encore l'été dernier. Mais de toute façon, là, on nous répond souvent, parce que là, on a commencé à contrôler, mais lorsqu'on passe ces frontières, on se rend compte que d'abord, ce sont des contrôles aléatoires, il n'y a pas de frontières réellement physiques. Donc si vous, demain, vous allez à Bruxelles, vous devez le faire régulièrement, je pense, on vous contrôle de manière aléatoire. C'est comme un contrôle pour la drogue ou pour les choses. Donc il y a toujours eu une douane volante, en fait. Mais il n'y a pas, parce que les Français ont l'impression que ça y est, quand on franchit une frontière, on doit avoir son test PCR. Alors, en dehors des aéroports, ce n'est pas vrai. Donc est-ce que ça sert à... Alors aujourd'hui, effectivement, les tests PCR, c'est principalement pour ceux qui se déplacent en avion. Oui. Mais ceux qui arrivent par d'autres moyens de transport, soit par la route, soit par bateau, sont pas ou peu contrôlés. Mais en réalité, au-delà de la seule question sanitaire et donc des tests PCR, la question c'est en réalité qu'on peut venir sur le sol européen sans aucune difficulté. Tous ceux qui partent, pour toutes sortes de raisons, partout sur la planète, veulent venir en Europe, en général, ils parviennent sans aucune difficulté, ça engraisse les mafias et les passeurs, ils arrivent en Europe, et ils ont la certitude ensuite de ne jamais être expulsés. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça le fond du problème. Même si on les bloque, à partir du moment où ils mettent le pied, on peut les attraper, mais on les renvoie jamais. Oui, et puis en réalité, les institutions européennes ont toujours considéré que l'objectif, c'était d'éviter les morts en Méditerranée, pas du tout de défendre nos frontières extérieures. Donc alors, finalement, est-ce que vous y croyez, ça ? ils gèrent les flux migratoires qui arrivent, ils font en sorte que l'Union européenne, comme une éponge, les absorbe, que le territoire européen absorbe ces flux migratoires. Et alors, on nous dit qu'on essaye de faire pleurer dans les chaumières, on nous dit que ce sont des réfugiés, que ce sont des personnes qui fuient la guerre. Oui, mais est-ce que vous y croyez ? Il y en a une toute petite partie qui fuit la guerre, c'est vrai. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont nécessairement éligibles au droit d'asile ou qu'ils sont éligibles au statut de réfugié, ça c'est un autre sujet, parce que le droit d'asile a été totalement dévoyé, il est devenu aujourd'hui une espèce de filière à part entière d'immigration, mais en réalité il y en a beaucoup qui viennent pour des raisons économiques. – On le sait, tout le monde le sait. – Et parce que les avantages sociaux sont considérables. Et le drame pour la France, c'est qu'en réalité, une fois qu'ils franchissent les frontières extérieures, et souvent ils n'ont pas de difficulté à arriver, soit par la route des Balkans, soit par l'Espagne, soit par l'Italie, soit par la Grèce, et bien ensuite, grâce à Schengen, libre circulation, donc ils peuvent aller s'installer partout en Europe. Or, comme la France est l'un des pays les plus attractifs en termes de dette sociale et d'avantages, et bien souvent, ils ne font que passer en Italie ou en Espagne, et ils arrivent finalement en France. Et le drame, pour conclure, c'est que un certain nombre qui sont francophones et qui veulent se rendre au Royaume-Uni, eh bien, passe par la France, mais avec l'objectif d'arriver au Royaume-Uni. Et là, en vertu des accords du Touquet qui ont placé la frontière franco-britannique côté français, eh bien, on les empêche de sortir. Donc la France est sans doute le seul pays au monde à laisser librement les clandestins entrer, mais à les empêcher de sortir. Je reviens à ma question, est-ce que vous croyez sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie ? Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est par pitié des gens qui se noient ? Ou n'y a-t-il pas une volonté aussi d'accueillir massivement des migrants pour soi-disant, peut-être, on peut la qualifier d'utopie, mais peut-être qu'eux y croient, les faire travailler, etc. Après, la question se pose, est-ce qu'ils sont capables de s'assimiler, de travailler ? Mais parfois, j'irai plus loin, on a l'impression que le fait qu'ils s'assimilent ou qu'ils s'intègrent, peu importe le terme, importe peu à ces personnes-là. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est de la main-d'œuvre. Moi, je pose la question, encore une fois, n'y a-t-il pas une forme d'hypocrisie ? Finalement, ce n'est pas par pitié qu'ils les laissent rentrer, mais par besoin de main-d'œuvre moins chère. – Moi, je pense qu'il y a une double arrière-pensée, en réalité, qui est parfois qui affleure, hein, qui n'est pas toujours caché. Le commissaire européen Avramopoulos, qui n'est plus en fonction depuis quelques mois, avait dit dans une déclaration officielle, publique, le continent européen a besoin de l'immigration parce que nous sommes un continent vieillissant et donc pour équilibrer nos retraites. Donc ces gens-là fustigent Orban et la Hongrie ou la Pologne parce qu'ils mènent une politique nataliste ambitieuse, d'aide sociale, d'aide fiscale aux familles pour inciter les Hongrois et les Polonais plutôt à avoir trois enfants que deux ou plutôt quatre que trois, exactement. Nous sommes favorables
on a une natalité qui est trop faible, qui n'est pas assez dynamique, et donc des aides sociales et fiscales peuvent avoir une grande efficacité. On sait très bien, et c'est vrai dans des pays comme la Hongrie et la Pologne, mais c'est vrai aussi en France, qu'évidemment, il y a beaucoup de couples qui, parfois, aimeraient avoir un deuxième, un troisième, un quatrième enfant, mais ils renoncent par prudence ou par inquiétude économique. Mmh. Eh bien, si l'État est au soutien des familles, si l'État met en œuvre des avantages fiscaux, Orban avait par exemple mis en place un système où les familles de plus de 4 enfants étaient exonérées à vie d'impôt sur le revenu. Oui. Voilà des mesures de ce type qui sont assez simples, ça incite à la natalité. Donc il y a des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a l'arrière-pensée chez les technocrates. Ces immigrés vont venir et vont nous équilibrer nos caisses de retraite. Et deux, évidemment, c'est ce que vous avez dit, ça fait peser à la baisse sur les salaires et sur les droits sociaux. Faire équilibrer les caisses de retraite, c'est peut-être leur idée, mais leur objectif, mais ça paraît totalement utopique. Ça n'équilibrera rien du tout. Ces gens-là n'ont pas de formation, ne s'intègrent pas, n'apprennent pas la langue, etc. C'est totalement faux pour une raison simple, c'est que beaucoup de nos pays, et la France au premier chef, sont touchés par un chômage de masse. Donc ceux qui viennent dans nos pays, en réalité, viennent augmenter le nombre de chômeurs et par conséquent coûtent très cher à nos comptes. Donc, il y a une forme de naïveté. Oui, et puis je pense qu'il y a, il y a quelque chose d'assez idéologique. C'est l'idée que finalement, il y aurait un droit à la migration. C'est ce qui était dans le pacte de Marrakech que Macron a ratifié il y a deux ans. Si on peut rappeler en 30 secondes. Oui, c'est un texte qui définit finalement l'idée selon laquelle, pour toutes sortes de raisons économiques, climatiques ou de conflits dans le monde, eh bien, on aurait un droit à la migration. Et donc, qui dit droit à la migration dit obligation pour les pays d'accueillir cette immigration de masse. Donc, en réalité, quel est l'objectif derrière? C'est de transformer l'immigration illégale en immigration légale. Obligatoire, pratiquement. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste déjà. Oui. C'est-à-dire que la France, elle a 270 000 entrées légales par an, c'est-à-dire des titres de séjour qu'on accorde. Bon. À cela s'ajoute environ 130 000 demandeurs d'asile, qui en fait pour beaucoup ne sont pas éligibles au droit d'asile, mais même quand ils sont déboutés du droit d'asile, ils ne sont pas expulsés. Et puis environ 30 000 ou 25 000 mineurs isolés. Ces mineurs isolés, beaucoup ne sont pas mineurs, beaucoup ne sont pas isolés, mais pareil, ils coûtent très cher aux contribuables et ils restent. Bon, on a cette immigration, ça c'est l'immigration légale. À cela s'ajoutent des dizaines et des dizaines de milliers d'immigrés qui entrent illégalement. Et pas seulement ceux qui arrivent en Méditerranée sur des bateaux et dont on nous parle régulièrement. Aussi ceux qui arrivent sur nos départements d'outre-mer, en Guyane ou à Mayotte, qui sont des départements français qui aujourd'hui sont totalement saturés par l'immigration clandestine. Eh bien, ils arrivent dans nos pays, en France métropolitaine ou en outre-mer, et finalement, tôt ou tard, ils sont régularisés. Tôt ou tard ensuite, ils sont naturalisés, sans jamais avoir fait d'efforts d'assimilation, sans perspective non plus de s'insérer, y compris sur le plan économique. Parce que dans un pays où le chômage est massif, on a 6 millions de chômeurs réels, toutes catégories confondues, eh bien, ces étrangers, pas ou faiblement qualifiés, ils n'ont aucune perspective d'avoir un emploi. Et on a 95% de ceux qui arrivent légalement, je ne parle même pas des clandestins, légalement en France aujourd'hui, qui n'ont pas de contrat de travail et n'en auront pas. Et donc ils pèseront directement sur la communauté nationale, c'est-à-dire sur les comptes publics, sur les comptes sociaux, les caisses d'allocation familiale, l'assurance maladie ou l'assurance chômage. Donc en fait, c'est cette utopie, cette naïveté, elle est due à une sorte de dogme idéologique, du sans-frontiérisme, etc. Mais bon, tous ces gens arrivent, ils laissent rentrer. Alors ça provoque aussi du terrorisme, parce que parmi ces gens, il y a ceux qui viennent pour des raisons économiques, il y en a d'autres qui viennent pour d'autres raisons, disons les choses clairement. Il y en a qui viennent avec des raisons de conquête, politiques, religieuses, etc. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'ils viennent en même temps pour des raisons économiques. C'est pas incompatible. Et puis certains peuvent venir pour des raisons économiques, mais tout en gardant leur culture et leurs coutumes d'origine, sans faire exprès, c'est une forme de conquête. On en a eu des exemples avec des personnes qui sont parties se battre en Syrie aux côtés de Daesh, et qui continuaient de toucher des gens qui avaient été accueillis par la France au cours des dernières décennies,
et qui continuaient de toucher les minima sociaux sur leur compte bancaire, et puis retirer l'argent une fois là-bas. – Alors je sais, peut-être qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, je sais parce que j'en ai vu moi personnellement, donc des réfugiés syriens par exemple dans la région PACA, vous savez que combien touche un réfugié syrien de la part de l'État français ?– Ah bah ça, tout dépend des cas de figure, oui. Mais ceux qui ont fait la demande d'asile, en attendant que la demande d'asile soit instruite, en général, ils ont une allocation qui est de l'ordre de 450 euros pour une personne seule et de l'ordre d'un peu moins de 1000 euros, je crois, pour un couple. – Non, celui que j'ai rencontré, moi, il est à 2500 euros avec sa famille, toute aide cumulée. Bah, – sans doute, parce qu'en réalité, souvent, ils ont des associations qui viennent les aider, des ONG complices, qui sont immigrationnistes, qui organisent l'immigration clandestine, qui sont d'ailleurs souvent très liées aux mafias et aux passeurs, et qui, en réalité, expliquent à ces étrangers illégaux comment ils peuvent obtenir toutes sortes d'aides et d'avantages. Et ils obtiennent des aides et des avantages à tous les étages. – Oui, c'est ça, en fait, tout cumulé, et donc c'est une personne, c'est la personne à laquelle je fais allusion, qui était qui a quitté la Syrie pour des raisons de soutien logistique à l'État islamique. Voilà. – Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. – Donc, ce n'était pas un combattant, je dois être honnête, mais enfin, soutien logistique à l'État islamique, et voilà. Et donc, il y a un reportage il y a quelques jours sur une chaîne, je pense que c'était M6, sur des vétérans de l'État islamique en Allemagne. Il y a des chasseurs de l'État islamique qui les ont repérés, dénoncés, et puis l'Allemagne ne fait rien pour les arrêter. Donc, y a-t-il une volonté, je ne sais pas, de fermer les yeux sur ces choses-là, parce qu'il y a eu trop de migrants qui sont passés. Rappelons qu'il y a plus d'un million de Syriens, enfin aux Syriens ou autres, qui sont rentrés en Allemagne en une année, hein, 2015 si je me souviens bien. Donc y a-t-il une volonté, pas seulement de la France mais de l'Allemagne, je vous pose cette question, de fermer les yeux ?– Oui, il y a un laxisme en réalité généralisé. – Par peur, par impuissance, par manque de volonté politique et puis par manque de volonté de désigner l'ennemi. On dit, voilà, l'ennemi, c'est le terrorisme. Oui, en fait, l'ennemi, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme qui nous a déclaré la guerre, qui nous fait la guerre. Donc ensuite, il y a deux solutions. Ou bien on est capable, nous, de mener et de gagner la guerre, ou alors on n'est pas capable de désigner l'ennemi et jamais on ne mènera ni on ne gagnera la guerre. Et non seulement il y a ceux qui, syriens, de nationalité syrienne ou irakienne, dans les rangs de l'État islamique, qui sont ensuite venus en Europe avec un statut de réfugié ou de demandeur d'asile, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers, d'immigrés installés en Europe, qui sont partis là-bas, qui sont revenus et qui souvent n'ont pas été inquiétés, soit parce qu'ils n'ont pas été identifiés par le système policier et judiciaire, soit parce qu'ils ont été relâchés ou qu'ils vont l'être. Mmh. Et aujourd'hui, on a par centaines dans nos prisons des personnes qui ont été condamnées pour participation à une entreprise terroriste en lien avec l'islamisme radical et qui vont être relâchées dans les mois, dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été condamnés à des peines souvent assez légères, alors qu'évidemment, on aurait dû, un, tout faire pour qu'ils ne puissent pas revenir sur le territoire français ni dans les pays européens. Ils auraient dû être jugés là-bas, en fonction du droit et du système judiciaire irakien ou syrien, qui sont des États souverains. Et si jamais ils arrivaient sur notre sol, il fallait au moins les mettre hors d'état de nuire définitivement, c'est-à-dire derrière les barreaux à perpétuité, ce qu'on ne fait pas. Donc évidemment, on va avoir sur notre sol, et on en a déjà d'ailleurs, des gens qui sont de véritables grenades dégoupillées, qui peuvent à tout moment frapper, comme d'ailleurs beaucoup l'ont déjà fait. L'attentat de Conflans-Sainte-Honorine en a été un exemple parmi d'autres, de ces personnes qui, accueillies par la France, souvent logées et les enfants éduqués par la France avec l'argent du contribuable, eh bien, en réalité, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à frapper la France, à ensanglanter notre pays. Donc, il y a une utopie totale, une illusion totale sur ce qu'est cette immigration. Alors bien sûr que tous les immigrés ne sont pas des terroristes, ça c'est vrai. Mais tous les terroristes sont soit des immigrés, soit issus de l'immigration, sans aucune exception. Oui. Et donc ça nécessite évidemment une réponse très ferme. C'est-à-dire que non seulement cette immigration, on en subit les conséquences économiques et sociales, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais on en subit aussi les conséquences sécuritaires et identitaires.
En réalité, tout le monde a joué avec le feu. Les pouvoirs publics leur ont donné de l'argent. Les collectivités locales, avec des arrière-pensées électorales, oui, les ont financées, les ont soutenues, les ont aidées, ont aidé leurs associations, leur ont permis de s'installer, de financer leurs lieux de culte, sans aucun contrôle. Souvent, c'est des islamistes, c'est les frères musulmans, c'est les salafistes, c'est Miligorus, c'est la mouvance indienne, etc. Et ces gens-là ont pris racine sur le sol national, ont développé le communautarisme, ont développé l'islamisme, et à la clé, c'est le terrorisme sur notre sol. Donc, la solution, c'est pas simplement de faire une loi pour conforter les principes de la République, comme le fait aujourd'hui Emmanuel Macron. La seule solution, c'est méthodiquement d'éradiquer le mal, d'éradiquer l'islamisme, c'est-à-dire dissoudre systématiquement toutes ces associations, à commencer par Musulmans de France, qui est l'organisation des frères musulmans, qui aujourd'hui est un interlocuteur des pouvoirs publics. Oui. Et puis, c'est expulser les imams radicaux étrangers. C'est, par exemple, on a plus de 3000 personnes fichées S, pour radicalisation islamiste, et qui sont de nationalité étrangère exclusivement, ils ne sont pas binationaux. Mmh. Bon, eux, ils bénéficient d'un titre de séjour qui est une simple décision administrative. Oui, donc on peut retirer le titre de séjour, c'est aussi une décision administrative très simple, ça nécessite aucun processus judiciaire, et ça permettrait de les expulser immédiatement. De la même manière, nos prisons françaises pullulent d'étrangers islamistes. On a 25% d'étrangers, là encore, pas des binationaux, 25% des ressortissants étrangers dans nos prisons. On nous explique tous les jours qu'en vertu de la surpopulation carcérale, eh bien, on ne peut plus mettre hors d'état de nuire derrière les barreaux tout un tas de délinquants et de criminels. Eh bien, organisons des accords bilatéraux avec les pays d'origine pour qu'ils récupèrent leurs ressortissants. Et ça, d'abord, ça éviterait qu'ils coûtent à la France. Ensuite, ça éviterait qu'ils propagent leur idéologie islamiste dans nos prisons et qu'ils contaminent parfois des petits délinquants qui sont là pour d'autres motifs. Et puis, ça nous permettrait enfin de restaurer la sécurité en France et de faire en sorte que celui qui commet des délits ou des crimes n'ait pas un sentiment d'impunité totale. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'est jamais condamné à la hauteur de ce que prévoit le code pénal. Et même quand il est condamné à une peine de prison, souvent, elle n'est pas exécutée, faute de place dans les prisons. – Alors… Moi, j'aimerais, pour conclure, il nous reste un peu plus de deux minutes, c'est le rôle de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, parce que bon, on est, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de frontières, etc. Donc, même si la France peut essaye de lutter contre le terrorisme islamique, etc., fait peut-être un peu plus d'efforts que certains pays européens, on a l'impression que l'Allemagne, est, pour des raisons obscures, peut-être de politique étrangère, économique, je ne sais pas, laisse faire plus que la France. On a ce sentiment, alors on nous a dit il y a quelques mois, quelques années, que l'Allemagne serait un peu, il y aurait moins d'attentats en Allemagne, parce que ce serait un peu l'arrière-boutique, si vous voulez. Enfin, c'est là où les terroristes n'agissent pas là où ils se cachent, en gros. Et donc, on a vu récemment, parce que bon, ce n'est un secret pour personne, on ne va pas le développer, il nous reste deux minutes, que la Turquie a été un soutien à l'État islamique, plus ou moins. La Turquie a une politique impérialiste maintenant. La Grèce, Tripoli, enfin Tripoli en Libye, en Arménie, etc. Donc il y a un conflit avec un État européen qui est la Grèce. Aucune solidarité à part la France. On doit reconnaître que pour une fois, notre gouvernement a réagi, peut-être timidement, mais il a réagi quand même. Mais enfin, aucune solidarité des États européens, et notamment l'Allemagne, face à cela. Il y a un pays européen qui est attaqué dans ses eaux territoriales, et personne ne réagit, l'Allemagne non plus. Alors, quel est le jeu de l'Allemagne? Juste comme ça, si vous pouvez résumer ça en deux minutes. – Très rapidement, l'Allemagne en réalité considère que la relation avec la Turquie est une sorte de précaré. Et donc les autres pays européens n'ont pas à s'en mêler. L'Allemagne a sur son sol beaucoup de Turcs et de personnes d'origine turque, et donc elle est dans une relation bilatérale, en quelque sorte, avec Erdogan. Cette relation bilatérale affaiblit collectivement toutes les nations européennes. La Turquie, c'est pas à démontrer, vous venez de le faire, en toutes circonstances se comporte comme un ennemi, comme un adversaire. On aurait des capacités d'attorsion contre l'Allemagne. On a par exemple… – Contre la Turquie, vous voulez dire. Contre la Turquie, pardon. On a par exemple une relation d'union douanière. – Oui, j'allais vous dire… surtout, depuis 25 ans, qui fait que la Turquie fait l'essentiel de son commerce extérieur sur le marché européen. Mmh. Eh bien, là, on pourrait très bien, les sanctions économiques, on sait les utiliser parfois à mauvais escient, ce serait bien qu'on les utilise aussi à bon escient. – Lorsqu'ils nous menaçaient de nous déverser des millions de migrants, on aurait pu, au lieu de les payer… Ce chantage, vous vous souvenez de ce, bien sûr. Vous, et certainement, mais les Français peut-être sont. On a payé, on s'est engagé sur 6 milliards d'euros. Voilà. Au lieu de payer, on aurait pu les menacer, par exemple, de sanctions économiques. Et d'ailleurs, on n'a pas eu notre mot à dire.
Ça a été négocié directement entre l'Allemagne, Merkel, ouais, et Erdogan, sans que les pays pourtant payeurs n'aient quoi que ce soit à dire. Et l'Union européenne s'est engagée à verser 6 milliards d'euros pour prétendument que la Turquie contrôle les flux migratoires, ce qu'elle ne fait pas ou ce qu'elle fait mal. Et on voit très bien qu'elle est un soutien parfois discret, parfois moins discret, à toute la mouvance islamiste, oui, au sens large, en défendant des intérêts qui sont systématiquement à l'opposé des nôtres. C'est vrai en Syrie, de manière évidente, c'est vrai en Libye, c'est vrai en Arménie. Et la politique, le chantage qu'elle mène à la frontière avec la Grèce est absolument insupportable. Et on voit que ceux qui nous parlent tous les jours de solidarité européenne, ils sont incapables de mettre en œuvre la solidarité avec la Grèce pour donner les moyens en garde-côte, en garde-frontière, en police, pour empêcher ces flux migratoires qui menacent de déferler de la Turquie vers le continent européen. Cette émission est terminée. Merci Nicolas Bay de nous avoir éclairé sur ces sujets. Et j'espère à bientôt. À bientôt, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés.